vas te rendre compte que ce qu'il y a de plus impressionnant au départ, c'est la qualité de freinage et les vitesses d'entrée dans les virages. Après, en accélération, tu vas pas être trop surpris parce que tu as fait de la R8. Oui. Celle-ci fait 500 chevaux, c'est un moteur atmosphérique. Un V8. 1200, 1300. Correct. Ouais, c'est correct. Tu vas voir que le freinage et les vitesses d'entrée, c'est ce qu'il y a de plus surprenant au début. Laisse-toi aller, puis ça va le faire. Très loin, c'est à 20 minutes. C'est en 10 heures quand même. Oui, ouais, c'est à 20 minutes. D'accord.